Bonjour tout le monde, présentation de l'aspirateur sans fil polyvalent de Silvercrest. Il a une technologie cyclonique moderne pour une aspiration sans sac. Il a un degré de séparation de 99,95%. Il est fourni avec une brosse électrique, une brosse à joint et un kit de 9 brosses. Ici vous avez les caractéristiques complètes du produit, je vous invite à mettre pause. On pourra noter qu'il a un réservoir de 0,7 litres et qu'il est fourni avec une batterie au lithium de 22,2 volts et de 2200 mAh, ce qui permettrait une autonomie de 20 minutes en mode normal et 30 minutes en mode économique. Le temps de charge est en lui de 5 heures. On a donc l'aspirateur et les différents accessoires. On a un adaptateur réseau, une brosse. Elle peut bouger de cette manière-là et de cette manière-là. On a la station de base qu'il faudra fixer sur un mur. Elle permettra de positionner l'aspirateur et de charger la batterie. D'ailleurs, on notera que la batterie est ici. Pour retirer la batterie, il faudra appuyer ici. Donc cette batterie, il faudra la mettre dans l'aspirateur. Pour fixer la base, vous avez un petit gabarit de perçage. Comme ça, vous avez immédiatement la distance des trous à faire qui vous permettront de maintenir la station. Vous avez des chevilles de fixation. Alors, ce sont plutôt des chevilles de fixation pour mur plein. Donc, on notera que c'est une batterie de 22,2 volts. Donc, en théorie, ça devrait permettre quand même une bonne puissance. On verra lors du test. Vous avez une rallonge que vous pourrez au choix mettre ou ne pas mettre. On a plein de petites brosses, de petits embouts, donc ça, je vous invite à consulter la notice afin de voir toutes les utilisations possibles. Vous voyez, il y a des petites rallonges. Là, par exemple, vous voyez, il y a trois petites brosses. Donc à noter qu'au niveau des poils, c'est pas trop rigide. Et enfin, on a l'aspirateur. Sur les deux côtés, vous avez des filtres d'évacuation de l'air. Ici, vous avez un bouton de fonctionnement et un bouton pour le mode économique. Ici, pour ouvrir le bac. Alors, faites attention, petit défaut de ce produit, je trouve, la partie intérieure du bac collecteur de poussière n'est pas fixée. C'est-à-dire que si vous le retournez, il va tomber immédiatement. Je vous laisse imaginer si le bac est plein de poussière, ce qui peut arriver. Donc, faites attention, parce que le système à l'intérieur peut sortir assez facilement. Là, par exemple, je penche. Vous voyez, ça tombe immédiatement. Donc, faites attention à ne pas le faire tomber. Si vous voulez retirer le filtre à l'intérieur, il faudra désenclencher à ce niveau-là. Vous voyez, il faudra tourner. Et là, on pourra retirer le filtre. Pareil, faites attention, la partie intérieure, elle peut tomber assez facilement. Pour la remettre, il faudra remettre à ce niveau-là. Et ensuite, remettre le filtre, qu'il faudra réenclencher. Vous pouvez également retirer le petit filtre qui est à ce niveau-là. Il faudra tourner de cette manière-là. Et pour le remettre, il faudra le réenclencher de cette manière-là. Pour remettre le bac, il faudra mettre déjà la partie avant et après enclencher à ce niveau-là. Ici, vous avez l'endroit pour pouvoir y mettre la batterie. Vous voyez, et la batterie se retire assez facilement. En termes de poids, on est sur du 1 kg 440 avec la batterie. Avant la première utilisation, vous devez absolument charger la batterie. La batterie se chargera dans la station. Vous devez connecter le câble d'alimentation sur le côté. Vous voyez, la batterie est fournie vide, il va falloir la charger entièrement. Cela devrait durer environ 5 heures. Quand la base sera posée sur votre mur, vous allez pouvoir y mettre l'aspirateur à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, le tuyau. On regrettera qu'il n'y a pas de petits embouts de rangement pour pouvoir y mettre les différents accessoires. Donc en charge, on consomme environ 13 watts et 0,10 ampères.
Donc, une fois que la charge est terminée, on est à peu près en consommation à 0,15 watts. Et là, le produit est indiqué pleinement chargé. Donc là, sans la batterie, il consomme 0,25 watts. C'est-à-dire qu'il consomme plus sans la batterie qu'avec la batterie pleinement chargée. Alors, concernant l'aspirateur, au choix, vous allez pouvoir y mettre ou ne pas y mettre la rallonge. Là, par exemple, je mets la rallonge. Et ensuite, vous pouvez y mettre les têtes. Vous avez également deux adaptateurs pour pouvoir y mettre les autres brosses. Par exemple, cet adaptateur-là, vous allez pouvoir y mettre cette brosse-là. Celle-ci. Si vous voulez y mettre les petites brosses et les petits embouts, il faudra utiliser cet adaptateur-là. Donc là, par exemple, une rallonge, une deuxième rallonge et un petit embout. Ou par exemple, les petites brosses si je souhaite. Donc attention à ne pas trop enfoncer, parce qu'après, c'est galère à retirer quand même. Donc pour retirer les embouts ou les têtes, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Après, ça se retire facilement. Vous pouvez donc y mettre directement tous les embouts. Donc là, je rajoute l'adaptateur, ce qui me permet de mettre la petite brosse. On a le bouton de fonctionnement. Pour pouvoir fonctionner en mode écho, il faudra l'allumer et appuyer sur le bouton écho. Alors en termes de bruit, en mode normal, on est à 82 décibels à côté de l'appareil. En mode économique, on est aux alentours de 73 décibels à proximité de l'appareil. Donc là, je vais passer l'aspirateur. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des poils de chien, il y a des cheveux, il y a de la poussière. Il y a même de la mare de café. Donc je vais étaler le tout un petit peu quand même. Bon, écoutez, ça n'est pas trop mal sorti quand même. Bon, il y a des choses qu'il n'a pas aspirées. Bon, c'est quand même assez normal. J'avais même pas fait attention qu'il y avait ça. Alors, au niveau de la tête, automatiquement, les cheveux se sont enroulés. Bon, ça, c'est un petit peu normal. C'était à prévoir. Après, généralement, on n'a pas autant de cheveux au même moment à aspirer. À noter qu'à ce niveau-là, vous pouvez ouvrir. Ce qui permettra de retirer la brosse afin de la nettoyer plus facilement. Alors, au niveau du bac,
Donc voilà pour mon petit test. Bon, là, c'était quand même un test extrême. Généralement, vous n'allez pas aspirer autant de poussière au même moment. En tout cas, je trouve qu'il s'en est quand même pas mal sorti. Dans des prochaines vidéos, je vous présenterai le nettoyage des filtres. Je vous présenterai également l'installation de la base. Si vous avez le produit, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.